Anne Brossat, à... alors je vous suis sur, euh, sur Twitter. Je me suis demandé, comme je sais que vous avez de belles passions pour les chats, si vous étiez venu avec un de ces chats ce soir. Non, mais je suis venu avec un bracelet de naissance. Le bracelet ah. de naissance de la petite Olympe, parce que je veux vous parler ici des fermetures de maternité. Vous savez que depuis 20 ans, la France a perdu 40% de ses maternités. Et il en va de même pour plein de services publics. Les lignes de train qui ferment, jugées non rentables. Les bureaux de poste qui ferment aussi. Les classes dans nos écoles, notamment. Euh, en zone rurale. Pourquoi en sommes-nous arrivés là Tout simplement parce que depuis vingt ans maintenant, l'Union européenne nous impose des politiques d'austérité. Elle nous impose la baisse de nos dépenses publiques. Elle veut au fond nous faire rentrer dans un moule libéral qui ne correspond pas à notre identité, à notre identité française. Et donc, il faut que ça change parce que je ne veux pas que la petite Olympe vive demain dans un monde sans services publics, c'est-à-dire sans solidarité. Et pour que ça change en France, il faut que ça change en Europe non pas quitter l'Europe, mais changer l'Europe, construire l'Europe des gens et non pas l'Europe de l'argent. Yann Brossat, votre lecture du Brexit. Moi, je ne suis pas favorable à une sortie de l'Union européenne. Cela dit, il faut évidemment respecter la voix des Britanniques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'Européens qui ne supportent plus l'Europe, c'est précisément parce qu'on n'a pas écouté leur voix et que, notamment en France, on s'est assis sur le vote des Français qui, en 2005, ont massivement rejeté le traité si constitutionnel de européen. Manon, oui. Bien sûr. Enfin, n'importe quelle personne un peu démocrate devrait avoir le même avis. Mais pour le reste, il faut quand même se demander pourquoi est-ce que les Européens ne supportent plus cette Europe C'est précisément parce qu'elle est libérale. On nous a vendu l'Europe et on nous a refourgué le libéralisme. On nous a vendu ça comme un carrosse et on se retrouve avec une citrouille. Vous savez que depuis dix ans maintenant, on a eu un produit intérieur brut de l'Union Européenne qui est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a produit 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires. Et pendant la même période... Le taux de travailleurs pauvres est passé de 7% à 10%. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, ceux qui travaillent, ceux qui produisent la richesse puissent aimer l'Europe, alors même qu'elle les a précarisés, alors même qu'elle les a appauvris. Et donc je pense qu'il faut refonder l'Union européenne. Je fais une proposition concrète, je suis favorable à une clause de non-régression sociale, c'est-à-dire que lorsque l'Union européenne veut imposer à un pays, à un peuple une disposition qui la fait régresser socialement, ce peuple, cet État, doivent pouvoir dire non de telle sorte qu'ils gardent leurs droits et leurs acquis. Donc, Yann Brossa, vous avez pris peu la parole sur cette question des migrants. Que dites-vous, par exemple, sur le chacun sa part, sur l'idée de, de quotas contraignants Est-ce que ça, ça vous parle D'abord, vous savez, moi, j'assume l'accueil des réfugiés. Et quand j'entends toute cette série de discours qui consiste à parler de ces hommes, de ces femmes, de ces mômes, comme si c'était des animaux, parce que les migrants, c'est comme les oiseaux migrateurs, c'est comme si c'était des animaux, c'est profondément honteux. Honteux. Et moi, j'assume, je sais qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, et si on fait de la politique en regardant les sondages, on dit non à l'accueil, et eh bien moi, je dis oui à l'accueil parce que je pense que c'est notre dignité d'homme et d'européen que d'être capable d'accueillir des hommes et des femmes qui crèvent chez eux. Et puis, vous savez, j'ai en face de moi un homme. Il s'appelle Lassana Batili. C'est le héros de l'hypercacher. Quand il est arrivé en France, il avait 16 ans. 16 ans. Il n'avait pas de papier. Il a été régularisé parce qu'il y a des associations qui se sont battues avec lui, notamment. Le réseau Éducation sans frontières, pour lui permettre d'avoir des papiers en règle. Et ensuite, il s'est révélé au moment des attentats de l'hypercachère. Eh bien, je peux vous dire que je suis très fier, très fier d'avoir un compatriote comme lui. Il est né au Mali, il a grandi au Mali et il est aussi français que nous. Donc, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de ces amalgames, de cette manière de stigmatiser les migrants en permanence. C'est honteux. Et quand je vous entends, Madame Loiseau, expliquer que vous êtes fière d'avoir diminué par dix divisé par dix le nombre de réfugiés que la france a accueillis mais je pas vous le dis sincèrement Brossard, je vous le dis réfugiés. sincèrement de migrants et alors la Sanabatili, ah, la, la Sanabatili avec vos critères quand il est arrivé il était migrant eh bien je vous le dis vous devriez regarder vos pompes parce que pendant ce temps là il y a des gens qui sont morts en mer méditerranée deux mille en deux mille dix huit à cause de votre politique parce que notamment vous n'avez pas accueilli l'aquarius. Et bien, si vous croyez que c'est un motif de fierté, on ne doit pas avoir les mêmes valeurs. Yann Brossa, quel est votre point de vue là-dessus sur la gouvernance en général et sur cette question des lobbies que, que soulève Raphaël Glucksmann Je suis d'accord avec un certain nombre de choses dites à l'instant par Raphaël Glucksmann. Le problème fondamental, c'est que nous avons aujourd'hui une Europe qui est à la fois très loin des gens et très proche du monde de l'argent. Vous savez que pour chaque eurodéputé aujourd'hui à Bruxelles, vous avez 40 lobbyistes. Donc, on a aujourd'hui des institutions européennes qui sont sous la coupe des lobbyistes et sous la coupe du monde de la finance. On et précise donc que ça... Pardon, les lobbyistes, ce sont les, 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 les ce qui travaillent au service de grandes entreprises, ça peut être aussi des ONG, il y a toutes oui. formes de lobbyistes. Enfin, hein, il y a quand Bruxelles. même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lobby qui sont là pour défendre le monde de la finance. Et donc, si vous me permettez de faire deux propositions, je voudrais faire deux propositions concrètes. La première, c'est qu'il faut baisser le salaire de monsieur Juncker. Vous savez combien il est payé, le président, le président de, la de la Commission européenne? Il est payé trente deux euros par mois. C'est deux fois plus en un mois que ce que gagne un travailleur européen en moyenne sur un an. C'est honteux. Quand, dans le même temps, ce monsieur Juncker nous envoie à nous, Français, des recommandations dans lesquelles il nous dit il ne faut surtout pas augmenter le SMIC en France. Quand, comment est-ce qu'on peut imaginer que les Français, que les Européens acceptent des institutions comme celle-là Donc, la première chose, on divise par trois, et ce sera déjà beaucoup, le salaire de monsieur Juncker, il lui en restera un bon bout et le salaire du futur président de la Commission européenne. Deuxièmement, il nous faut effectivement nous prémunir contre ce fonctionnement des lobbies, contre ce mécanisme de porte tournante qui fait qu'un commissaire européen se retrouve ensuite dans une grande boîte et qu'un dirigeant d'une entreprise se retrouve ensuite commissaire européen. Vous savez peut-être que le commissaire au climat, c'est l'ancien mania d'une compagnie pétrolière. Pétrolière. C'est un peu comme si on avait confié à Dracula le camion du don du sang. Ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, je suis favorable à ce que pendant sept ans, quand on a été commissaire européen, on ne puisse pas bosser dans une boîte comme celle-là. On va demander c'est comment concilier l'écologie et l'économie Et je la pose d'abord à Yann Brossard. Mais d'abord, il faut dire les choses par leur nom. La pollution est un crime. Euh, c'est un crime. Ce sont 50 000 morts par an en France. Ce sont 600 000 morts par an. Au sein de l'Union européenne. C'est un crime et donc il faut désigner le bon coupable. Le problème, c'est qu'on ne désigne pas le bon coupable. On explique en permanence que le responsable de la pollution, c'est l'ouvrier qui va utiliser sa voiture, diesel, souvent sa vieille voiture, et qui est contraint de l'utiliser pour aller sur son lieu de travail. Tout ça parce qu'on a fermé sa petite ligne de train. Et donc on désigne un coupable qui en réalité n'est pas coupable. Parce que quand on regarde les chiffres précis, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les ménages les plus riches, Polluent 40 fois plus que les ménages les plus pauvres. Et les ménages les plus pauvres sont quatre fois plus taxés proportionnellement à leurs revenus que les ménages les plus riches. Donc c'est honteux. Ceux qui polluent, ce sont les riches et les multinationales. Ceux qu'on fait payer, ce sont les ménages modestes. Donc il y a là à la fois une politique qui est inefficace sur le plan environnemental et qui est profondément injuste socialement. Donc je dis deux choses. D'abord, il faut une nouvelle fiscalité écologique. Il n'est pas normal, par exemple, qu'aujourd'hui on ait le même taux de TVA, 10%. Sur les billets d'avion et sur le train, alors même que le train pollue 40 fois moins que l'avion. Vous savez qu'un aller-retour, Paris, New York, c'est l'équivalent d'un an de chauffage en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça fait quand même réfléchir, donc il faut dissuader d'utiliser l'avion. Il faut une TVA beaucoup plus élevée sur l'avion et une TVA à 0% sur le train, ce qu'il faudrait que nous puissions obtenir de l'Union européenne. Et puis par ailleurs, il faut évidemment un grand plan qui nous permettent de réaliser notre transition énergétique, plan de rénovation énergétique des bâtiments, plan d'investissement dans le ferroviaire. Et comme je n'aime pas être démagogue, je veux le dire aussi, comment on finance On finance par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, depuis dix ans, elle a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées. Sans condition, cet argent-là, il serait beaucoup plus utile s'il permettait d'alimenter la transition énergétique. Ma... Ma... Brossas, je vous voudrais plaît. juste dire euh, un mot, effectivement. Euh, sur cette question du glyphosate, bien sûr qu'il faut interdire le glyphosate, bien sûr qu'il faut des normes plus élevées en matière environnementale. Sauf qu'effectivement, si dans le même temps nous continuons en permanence à signer des traités de libre-échange, à accepter qu'entre dans notre territoire, en France, des produits qui ont été fabriqués n'importe comment, nous exposons nos agriculteurs à une concurrence déloyale. Et très franchement, quand on voit la liste interminable des accords de libre-échange qu'on n'arrête pas de signer, franchement, rien qu'à les lire, on fait le tour du monde. La Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, les Philippines, l'Australie, le Chili, le Mexique, on n'arrête jamais de signer des traités de libre-échange. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir dire stop. Est-ce que notre destin de français, c'est de consommer du mouton? qui a été fabriqué en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire à 19 000 kilomètres. Eh bien, moi, je dis non. On est capable de faire du mouvement. Vous l'avez dit, à un moment donné, bien bien ça sera stop. Et c'est maintenant, car la ligne est rouge. On a... Nous allons adresser à Yann Brossa. On est en pleine guerre euh, commerciale mondiale. Et il y a une question qui monte. C'est celle du protectionnisme. Hein. Aux États-Unis, ça s'appelle le America First, l'Amérique d'abord. En Chine, ça s'appelle le Boy China, acheter chinois. Est-ce que, à votre avis, euh, vous... l'Europe doit devenir plus protectionniste? Et l'assumer surtout. Assumer d'être plus protectionniste. D'abord, vous me permettez d'être désagréable deux secondes. Vous vous rendez compte quand même qu'en faisant le choix d'aborder les questions du travail à cette heure-là, la conséquence de ça, c'est que les premiers concernés par ce sujet sont en réalité déjà couchés, puisqu'ils vont travailler demain matin. Et je pense que c'est bien dommage, alors même que depuis quatre mois, on a un mouvement des Gilets jaunes qui a montré que les questions qui intéressent les Français, c'est les salaires, le pouvoir d'achat, et a autant dit. de questions qu'on aborde, que si aborde, si aborde on on au-delà de trois heures. Et je trouve que c'est bien dommage. <laughs> Évidemment que la question se pose aujourd'hui, parce que. On ne peut pas continuer de nous faire croire qu'on va construire l'Europe sociale avec des traités européens qui sont des traités libéraux. On a aujourd'hui des traités européens qui gravent dans le marbre le principe de la concurrence libre et non faussée. Je vais vous donner un exemple très concret. On a décidé en Ile-de-France de refaire nos rames de métro et de RER. Je me suis rendu il n'y a pas très longtemps chez Alstom. Dans l'usine de Petite Forêt à côté de Valenciennes. Moi, j'étais tout heureux qu'on ait lancé cette commande publique. Je me suis dit, voilà, ça va créer de l'emploi pour les ouvriers de Valenciennes. Eh bien, pas du tout. Les rames de métro et de RER, elles ne sont pas fabriquées à Valenciennes. Elles sont fabriquées en Tchéquie et en Pologne. Eh bien, ça n'est pas normal. Parce que cette commande publique, c'est nos impôts. Et nos impôts, ils devraient permettre qu'on finance de l'emploi en France. Et donc, oui, je vous le dis, moi, je serais favorable à une clause de distance dans les marchés publics. Quand on a une commande publique, elle doit nous permettre de produire ce que nous faisons en France, chez nous, pour que ça profite aux travailleurs. Yann Brossard, le tirage au sort, vous a donc donné la conclusion des conclusions, toujours en une minute. Bonsoir à tous, on a entendu beaucoup de choses ce soir, parfois des choses similaires. Je veux vous dire pourquoi la liste que je conduis, la liste du Parti communiste, est différente de toutes les autres. Elle l'est pour deux raisons. La première, c'est que le Parti communiste est la seule force politique de gauche à avoir rejeté. Tous ces traités européens ultra-libéraux, parce que nous avons perçu très tôt l'ADN de cette Union européenne qui met en concurrence les travailleurs entre eux au lieu de leur permettre de vivre dignement. C'est notre première spécificité. Nous n'avons jamais menti, jamais trahi, jamais fait croire qu'on pourrait construire l'Europe sociale avec des traités européens qui disent l'inverse. La deuxième, c'est que nous sommes la seule liste à être composée à 50% d'ouvriers, d'employés, soit la proportion qui existe dans la société française. Et en deuxième position sur ma liste, il y a Marie-Hélène Bourlard, elle est ouvrière. Si vous l'élisez le 26 mai prochain, elle sera la première femme ouvrière à faire son entrée au Parlement européen. C'est dire qu'avec votre bulletin de vote, vous pouvez faire l'histoire. Je crois que ça vaut la peine d'être fait. Merci beaucoup Yann Brossat, merci à vous mesdames.